Ok, le vrai sujet, c'est ce que t'apporte le fait de bouger en voiture. Parce que ça résonne ta question, c'est est-ce que tu es capable, toi, de prendre un désir que tu as à l'intérieur, donc une vibration que tu as à l'intérieur, et de le mettre en forme à l'extérieur de manière aboutie. C'est-à-dire que tu as l'envie de passer permis, donc tu as l'envie de pouvoir bouger comme tu veux, ça va te permettre d'aller en vacances, tout ce qu'on connaît en fait quand on a le permis. Ça va t'offrir des possibilités, mais toi, tu ne veux pas être enfermé. Voilà ce que la symbolique de la mort sous-tend pour toi. Ce côté enfermement. Donc, tu te concentres sur le négatif plutôt que te... Ouais, ça résonne. Je me concentre sur le négatif plutôt que sur le positif. Tu veux être fidèle à ce qui te composait jusqu'à présent, à ce qui était, à ce que tu pensais qui était vraiment toi. Donc, Yvan qui n'a pas de permis, qui sous-tend Yvan est limité par telle barrière. Et donc, Yvan est habitué à la telle barrière. Et quand il y a une invitation à agrandir la barrière, ou la briser, ou la faire tomber, il y a ce côté. Maintenant, j'ai champ libre. Donc, en fait, c'est ce que ça me renvoie, ce que ton système me renvoie, c'est ce côté. J'étais habitué à une limitation, mais qu'est-ce que je fais maintenant que je suis libre? Et voilà la thématique que tu nous apportes, voilà le point de vue que tu nous apportes. On a tellement été habitué à être enfermé dans des limitations que quand on a la liberté, parfois, on ne la voit pas. Parfois, on la voit et on n'ose pas y aller. Parfois, les barrières sont déjà au sol. Et quelque part, on leur reste fidèle à ce que ça veut dire pour nous et à leur signification pour nous en restant dans cette zone, dans cette ancienne zone. Comme si, je sais pas, t'étais un pharaon et tu... Je sais pas si l'exemple est probant, mais... Non, pas un pharaon, mais comme si t'allais dans un ancien temple égyptien et tu faisais qui est totalement en ruine, où on voit plus les murs, et tu faisais semblant que qu'il y ait les murs, que tu jouais à être le scribe. Enfin, l'exemple des bidons est pourri, mais je sais pas pourquoi ça m'a fait penser à ça. Okay. Ta question résonne. Est-ce que je peux créer ma vie maintenant? Tu peux créer ta vie maintenant. Tu es capable. Voilà ce que ça résonne au fond. Tu as la preuve matérielle avec ce permis, en prenant la décision de passer ce permis, que tu peux subvenir à tes besoins, que tu es capable, toi, de construire quelque chose de positif dans ta vie et de pas juste t'autodétruire. Ça résonne, je suis dans le monde des grands. Physiquement. Parce que qui dit voiture dit être adulte. Dit responsabilité, dit implication, dit payer une assurance, dit faire le contrôle technique. C'est une preuve sociale que... Ouais, c'est la preuve sociale ultime pour toi que... Ok, maintenant je suis un adulte. Maintenant je décide pour moi. C'est une... Ça résonne, je m'aime. Hein. Ça résonne vraiment, je m'aime. Et oui, on peut avoir un truc matériel qui nous prouve que l'on se porte de l'attention, qui nous prouve que l'on s'aime. Le matériel n'a rien de sale. Le matériel, c'est une voie de liberté. Le matériel, c'est une... On peut jouer avec les objets. Peut jouer avec la matière et c'est ce qu'on fait tout le temps. Chaque nouvelle personne que l'on rencontre, c'est la matière que l'on a formée, c'est une personne que l'on a attirée dans sa réalité, dans sa matière à soi. Et cette personne est là pour nous, toujours. Et vraiment, l'information, elle est là, je la renvoie pour le groupe parce que c'est vraiment ça. Jouons avec la matière. On peut jouer avec la matière, on peut jouer avec tout, on est libre de tout. Et quand on s'interdit de le faire, c'est notre responsabilité. Et, ah oui, d'accord. Un peu plus en profondeur, il y a ce côté je veux, je veux pas. Un côté ah, j'ai conscience que la matière, c'est quelque chose
avec lequel je peux jouer, mais en même temps, je ne m'autorise pas trop. Parce que quoi? Parce que c'est me couper de qui je suis. Alors que plus on joue avec la matière en ayant conscience que tu n'es pas ta voiture, que je ne suis pas mon activité, que je ne suis pas le micro, je ne suis pas mon compte en banque, mais en même temps pleinement profiter de ce que nous apporte comme possibilité d'ouverture, de reconnexion à l'autre, le fait de jouer avec la matière, le fait de se connecter aux autres. Et c'est un bien précieux qu'on a. La matière n'est pas le bien. Le bien précieux, c'est le fait d'être libre de jouer. De jouer avec la vie, de jouer avec soi, de jouer avec ses limites et de pouvoir les déplacer, les remodeler, les casser, les figer, les refluidifier comme on veut. Voilà. Je te fais des gros bisous, Yvan. Salut.